Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci encore pour la grâce que Dieu nous accorde encore d'être devant vous. Telle a été toujours ma joie, vous le savez très bien, de me présenter devant vous. Et merci parce que ce soir, vous me donnez encore accès dans vos maisons, là où vous êtes peut-être, comme je l'ai toujours dit, dans la voiture, dans une fête, à un endroit avec des amis. Et vous êtes devenu tellement habitué à ces programmes Victoire Totale que vous êtes connecté. Merci peut-être, vous êtes dans votre chambre, au salon. Commencez à inviter les amis, à inviter les parents, les enfants, votre femme, votre époux. Commencez à partager cette vidéo comme vous êtes en train déjà de le faire. Que Dieu vous bénisse pour le travail magnifique que vous êtes en train de faire, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens vraiment à dire un grand shalom à tous les amis qui sont en Afrique. J'ai dit un grand shalom. Shalom à ceux-là qui sont en Asie. Shalom à tous ceux-là qui sont en Océanie. Je n'oublierai pas ceux-là qui sont en Amérique et en Europe, particulièrement en, en France. Un grand shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Wow, vous remarquerez peut-être, ma voix est un peu rauque parce que nous avons commencé notre euh, euh, deux grandes journées de délivrance qui a pour thème la délivrance des filles et des fils d'Abraham. Aujourd'hui, c'était le premier jour et Dieu s'est manifesté d'une manière terrible. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux-là qui sont venus et pour les autres. Nous vous attendons demain. Parce que c'est demain que nous allons clôturer cette activité. Nous sommes au 102 rue de la Convention à la cour neuve à Saint-Saint-Denis. Vous pouvez venir participer de 9h30 à midi. Nous clôturons ces deux journées de délivrance. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous en train de se manifester parce que nous croyons que Dieu n'a jamais changé il est le même hier aujourd'hui éternellement nous prêchons un Jésus réel qui a payé le prix pour l'humanité que Dieu vous bénisse hein? je suis vraiment dans la joie d'être devant vous aujourd'hui nous allons lire euh, deux textes dans la parole de Dieu. Un, nous les lirons dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau Testament pour continuer notre série d'enseignements sur l'identité chrétienne. Et c'est un message ou une série d'enseignements qui est en train de vous bénir, ça je le sais. Merci pour vos commentaires, merci pour vos appels. Et beaucoup de gens que je rencontre qui, qui n'ont pas peur de témoigner ce que Dieu... Est en train vraiment de faire dans leur vie. Et nous rendons grâce pour ça. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles dans le psaume 110. <coughs> le psaume 110, le verset premier, la Bible dit L'Éternel a déclaré à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Le deuxième, nous les lirons dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Le premier texte, nous avons lu le psaume 110, le verset premier. Le deuxième, nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, le verset 4. À partir du verset 4, la Bible dit, mais Dieu est riche. En compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts en raison de nos fautes il nous a rendus à la vie avec christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en christ jésus Amen. Et le verset 7 dit, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Christ. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Père, nous voulons... Te dire merci parce que tu continues à nous établir dans notre identité. Merci beaucoup, Seigneur, parce que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. C'est toi qui rends l'esprit de ton peuple enseignable. Merci pour l'autorité de ta parole, pour le ministère du Saint-Esprit et des anges qui opèrent maintenant pour bénir mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je intitulé les sous-thèmes de cette série d'enseignement sur l'identité chrétienne Assis dans le lieu céleste. Je répète, les thèmes d'aujourd'hui Assis dans le lieu céleste. J'aimerais parler de notre position spirituelle. Vous remarquerez que dans le cheminement de mon, mon enseignement sur l'identité chrétienne, j'ai commencé par la crise d'identité, me faire comprendre que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes dans une position dangereuse parce que la plus grande maladie de la chrétienté, c'est la crise d'identité, n'est pas connaître votre identité qui tu es en Christ Jésus. Le diable, comme je l'avais dit, aujourd'hui peut-être aura du mal à te pousser de retourner dans une vie de prostitution ou d'aller dans des boîtes de nuit, dans la drogue. Mais il t'empêche de découvrir qui tu es en Christ. Et c'est ça, le grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église. C'est cela aussi qui fait la force de certains enseignements que l'ennemi a inspirés dans le corps du Christ qui élèvent plus sa puissance que de faire découvrir aux enfants de Dieu qui ils sont. Nous avons parlé de la justification, ce qui est important parce que c'est la première étape que Dieu nous reconnaît juste comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché, non coupables devant Dieu. Parce que Jésus a satisfait aux exigences de la loi, de la justice des dieux. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. La Bible dit nous sommes gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Christ, par le paiement d'un prix. Jésus a payé les prix. Tu méritais de mourir, je méritais de mourir, mais lui, il se fait pécher, comme le dit la parole de Dieu dès Corinthiens 5, 21. Il se fait pécher pour que toi et moi, nous devenons la justice de Dieu, que nous soyons déclarés justes. Cela n'est pas par nos efforts personnels, parce que nul ne peut être justifié devant Dieu par ses œuvres. C'est démontré dans toute la parole, dès l'Ancien Testament au Nouveau Testament, personne ne pouvait se justifier par les œuvres de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour servir de justifier l'homme. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous préparer, nous conduire à Christ, nous faire comprendre qui nous sommes et notre incapacité de se sauver et la nécessité d'un sauveur. La loi nous a conduits à Christ. Et quand on est justifié, on est adopté dans la famille de Dieu. Nous sommes considérés comme des enfants de Dieu. C'est un acquis. J'ai parlé aujourd'hui avec une personne quelque part. Euh, je dis à cette personne si je, je lui ai posé la question si il est sauvé. La personne m'a dit oui, je suis sauvé, je reçois Jésus dans ma vie. Je dis est-ce que tu t'es déjà fait baptiser Il m'a dit euh, je pas, euh, je ne me sens pas encore, je ne suis pas encore prêt d'être baptisé parce qu'il y a encore des choses dans ma vie. Je dois encore avoir un parcours et voir si certains domaines dans ma vie changent. C'est alors que je peux me faire baptiser. J'ai eu un moment de discussion avec cet homme. C'est un jeune. C'est jeune. J'ai partagé avec lui, lui faisant comprendre. Non. La Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est là qu'ils croiront, qu'ils seront baptisés, seront sauvés. Jésus n'a pas dit, allez, prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, c'est là qu'ils croiront, il faut attendre et voir qu'ils changent, qu'ils deviennent parfaits pour les faire baptiser. Vous croyez en Jésus, vous les recevez comme Seigneur et Sauveur, vous faites baptiser par obéissance à la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que ces jours-là, tout change dans votre vie. Mais Jésus est venu en vous. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Je partageais la parole à cet homme. À la fin, il m'a dit Je veux me faire baptiser. J'ai dit Je peux prier pour toi Il dit Oui, tu peux prier pour moi. Je prié pour cet homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à vous partager ces témoignages. Mais je crois que beaucoup de gens ont du mal à accepter qu'ils sont enfants de Dieu. Hébreu dit Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. J'aime cette révélation de la parole de Dieu. Les gens peuvent avoir honte de vous. Les gens, votre entourage, peuvent vous rejeter. Mais Christ, lui, n'aura jamais honte de vous appeler son frère, sa sœur. Vous voyez, Christ, Dieu vivant, il dit il n'a pas honte de toi. Malgré tes imperfections, il t'aime tel que tu es. Il est si patient envers toi pour te voir être transformé. Et je parlais de la loi, de la mentalité d'un esclave, de la mentalité d'un fils, de la loi de l'affirmation. Nous avons parlé de la bénédiction. Nous sommes bénis. Mais aujourd'hui, je parle de notre position spirituelle. Les textes que nous avons lus dans l'Ancien Testament est un psaume de David, mais c'est un psaume messianique ou une prophétie qui concernait Jésus. Dans Matthieu, Jésus a posé aux, aux, aux Juifs, mais que dites-vous du, du, du Messie Et il dit, mais David lui-même, il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Et nous savons que littéralement, cette prophétie de, 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 de Psaume 110 s'est accomplie en Christ Jésus je vous ai déjà partagé cela quand je parlais sur la justification et parmi les preuves que euh, euh, les raisons pour lesquelles nul ne pourra nous condamner nous savons que jésus non seulement est mort pour nous jésus a été enterré jésus est ressuscité il est monté et la bible dit il est assis à la droite du dieu le père et sur la justification j'avais juste parlé de jésus mais la parole de Dieu que nous venons de lire dans euh, Ephésiens chapitre 2, nous, nous, nous révèle quelque chose de magnifique. C'est vrai, Christ aujourd'hui, il est assis à la droite du Dieu le Père. Il est monté au ciel, selon Acte des Apôtres chapitre 1 Il est monté au ciel. Il est monté, il est à la droite du Dieu le Père. Que fait-il maintenant il intercède pour toi, il intercède pour moi. J'aime ça. Il rend un ministère d'intercesseur. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. S'il y a quelqu'un, qui, qui, si, quelqu bien-aimé, qui prie pour toi tous les jours, le Seigneur le fait à la droite du Dieu le Père. Il est monté avec de preuves qu'il est mort pour toi. Et il est fier, fier plutôt d'être appelé son frère, sa sœur. La Bible dit ici... Que nous sommes aussi assis avec lui. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ de Jésus. Wow! Spirituellement, je suis assis. Tu es assis là où Jésus se trouve. Souvenez-vous, nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes co-héritiers. Quand nous recevons Jésus dans notre vie, une identification s'est fait. Nous mourons avec lui spirituellement. Nous ressuscitons. Et la Bible dit, je suis assis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais la parole de Dieu. Tu peux lire ça encore avec moi. La Bible dit, il nous a... Rendu à la vie avec Christ Nous qui étions morts Quand nous étions dans le péché Nous étions loin de la vie de Dieu Nous étions loin de la présence de Dieu On n'avait pas la vie de Dieu en nous Mais quand on a reçu Jésus Nous avons reçu la vie de Dieu Les oeufs de Dieu est en nous La vie éternelle est en nous la vie de Dieu, que l'homme avait perdu à l'Éden, il retrouve cette vie en Christ. Jésus dit, je suis venu donner la vie et la vie abondante. En recevant Jésus dans notre vie, nous avons la vie en nous. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Puisque tu as Jésus en toi, tu as la vie de Dieu en toi. Et la Bible dit, c'est par... Grâce que nous sommes sauvés, ça nous l'avons déjà démontré bibliquement, et il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Quand Jésus ressuscitait d'entre les morts, il ressuscitait avec toi, il ressuscitait avec moi, afin que là où il est monté, spirituellement, je suis assis à la droite du Dieu le Père. Dans cette position, puisque la Bible dit que Christ est assis au-dessus de tout, le verset, le Psaume 110 dit quoi Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est-à-dire quand tu es assis à la droite du Dieu le Père, tu es au-dessus des dominations, principautés, Pouvoir des ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, tant que tu ne te verras pas dans cette position, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, j'insiste, beaucoup d'enfants de Dieu se voient encore inférieurs, impuissants par rapport aux forces des ténèbres, par rapport aux aux sorciers par rapport aux occultistes. Parce que tout simplement, <coughs> ils ne connaissent pas leur identité, leur position spirituelle. Jésus est assis à la droite du Dieu le Père. La Bible dit, au-dessus des dominations, principautés, pouvoir des ténèbres. Tu veux que je te le prouve Remonte avec moi dans Ephésiens chapitre 1er. Le verset 20. La Bible dit, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. C'est l'accomplissement des psaumes 110, verset 1 Ici, Paul confirme cela, que cela s'est accompli. Et je l'ai déjà démontré que Jésus est à la droite du Dieu le Père. Mais regardez la suite. La Bible dit, au-dessus de toute domination, toute domination, Jésus est au-dessus de toute domination. Il y a encore de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir, au-dessus des dominations, autorité, souveraineté, tout nom. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité, il avait dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et Jésus nous a légué ce pouvoir. La Bible dit que tu es assis avec lui. Or, si tu es assis, à la droite du Dieu le Père en Christ, là où Jésus est assis, ça signifie quoi Ça signifie aussi que tes ennemis sont tes marchepieds. Oh my God Ça signifie que les sorciers de ta famille, les occultistes, les diables et son royaume sont sous tes pieds. En d'autres termes, je t'explique cela autrement pour que tu comprennes. Déjà dans l'ordre créationnel, l'homme est plus important qu'un ange. Satan était un archange dans la présence de Dieu avant sa rébellion. Quand il s'est rébellé, il est devenu un ange déchu. Il a influencé un tiers des anges qui l'ont suivi, qui sont devenus des démons. Ok Mais. L'ange n'a jamais été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais toi, l'homme, tu as été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il est vrai que l'homme pécheur a perdu la nature de Dieu. L'homme pécheur est inférieur aux forces du mal. C'est pour cela que le diable peut dominer, faire tout ce qu'il veut dans ta vie, parce que tu n'as pas Jésus en toi. Mais quand tu as Christ, il te restaure dans ta position initiale. Il te fait asseoir avec lui à la droite du Dieu le Père. Et dans cette position-là, les forces des ténèbres sont sous tes pieds. Ils n'ont pas l'autorité sur toi. Ils n'ont pas l'autorité sur toi. Ils sont inférieurs à toi. Tu ne dois plus avoir peur de tous ces sorciers, des occultistes, des forces des ténèbres, des démons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ Nous élèvons tellement l'ennemi. Il y a tellement d'enseignements qui élèvent les diables. Il y a tellement d'enseignements qui nous fait comprendre comment les diables et comment les démons sont, comment ils fonctionnent, comment ils opèrent, comment les sorciers opèrent. Bon, c'est pas mauvais de connaître notre ennemi. Mais que me sert de connaître l'ennemi en profondeur si je ne connais pas mon identité C'est pour cela que tu as toujours des problèmes. C'est pour cela que nous, ou vous, avez toujours des problèmes. Parce que vous êtes le résultat de ce que vous écoutez. La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que vous écoutez influence votre mentalité, influence votre langage et votre manière de vivre. Si vous passez votre temps à étudier la profondeur de Satan, moi je crois que la meilleure des choses à faire, c'est que nous puissions comprendre qui nous sommes, quelle est notre position. Si je sais qui je suis, le diable ne me fera absolument rien. Parce que je sais qui je suis. J'aimerais je, partager avec toi un témoignage. Il y a de cela, ça va faire plus, plus de 20 ans. Quand je suis encore en Afrique, en Angola. Et je pense que euh, 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 mon ami, le, le pasteur Didier Sunda, s'il peut encore se souvenir de cela, mais c'est une histoire qui date de très longtemps. Un jour, j'étais dans la maison pastorale qui était à côté de l'église. Il y avait des frères qui étaient en train de faire la délivrance à l'église. Mais le cas était vraiment difficile. Il y a eu des manifestations des esprits et l'esprit ne voulait pas partir. le bien aimé sont venus me trouver à la maison pour me dire, homme de Dieu, il y a un cas difficile à l'église et nous avons besoin de toi. J'étais avec des amis. J'ai dû me lever rapidement pour aller là-bas. Je n'ai même pas prié. J'arrive, j'entre dans l'église, la parcelle de l'église, je vois un garçon couché par terre et les démons qui se manifestaient en lui. Comme ils étaient en train de prier, je suis allé directement, j'ai commencé à chasser cet esprit. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. J'aime bien relater cette histoire, même dans dans certains endroits où je suis allé prêcher, pour parler de notre position, de notre autorité. Et vous savez, cet esprit m'a dit, « Eh là, est-ce que c'est comme ça qu'on t'a appris à faire la délivrance Tu viens me chasser sans même prier. » Ce que cet esprit avait dit était vrai. J'ai quitté la maison, je n'ai même pas prié. J'arrive tout simplement, je commence à les chasser. Mais si j'étais une personne qui ne connaissait pas sa position en Christ, qu'est-ce que j'allais faire J'allais m'écarter, chercher un endroit à côté, commencer à prier en langue, peut-être. On commence à déclarer, à déclarer et à venir chasser les démons. Mais je n'ai pas fait cela. J'ai dit à cet esprit je n'ai pas besoin de prier pour te chasser. La Bible dit, je te vaincu à cause du sang de l'agneau. Et j'ai l'autorité de te chasser. Je t'ordonne au nom de Jésus de quitter cet homme. Il est parti avec simplicité. Il a obéi. Pourquoi Parce que je sais que je suis supérieur en lui. À lui. Spirituellement, je suis assis là où Christ est assis, au-dessus des dominations. Cela peut te surprendre. Le plus grand sorcier de ta famille, toi, tu es supérieur à lui. Parce que la Bible dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Qui est dans le sorcier, c'est le diable. Donc, si tu es un enfant de Dieu, spirituellement, tu es dans une position d'autorité supérieure par rapport au diable, par rapport à son royaume. Par rapport à ses fils et ses filles sur la terre. Je crois que l'église de Jésus n'est pas, Jésus n'a pas, pas établi son église sur la terre pour être victime de Satan. Non. Aujourd'hui, la position des chrétiens est devenue une position de victime. Nous sommes toujours victimes. On m'a fait ceci: les démons, les sorciers, les démons, les sorciers. Pourquoi Parce que les gens sont ignorants de leur position, tout simplement. Parce que vous ne savez pas où vous êtes spirituellement. Mais les sorciers qui t'attaquent, l'occultiste qui t'attaque, il connaît son niveau. Ils connaissent son... Même dans le monde des ténèbres, il y a des niveaux. Ils savent que celui-là est de tel niveau, celui-là est supérieur à moi. C'est comme dans l'armée, il y a des colonels, des généraux, ainsi de suite. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Regardez, c'est pour cela, que quand Paul parle du combat spirituel dans Ephésiens chapitre 6, il dit quoi Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les dominations, principautés, pouvoirs de terre. Notre combat est avec ces esprits-là. Pourquoi Parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Nous aussi, nous sommes dans le monde spirituel. Physiquement, tu es sur la terre. Mais spirituellement, tu es assis dans le lieu céleste, au-dessus des dominations. Là où est assis Christ, c'est là où aussi tu es, parce que tu es cohéritier avec lui. Évidemment, quand Jésus reviendra, il matérialisera notre position, c'est-à-dire la position spirituelle deviendra une réalité. Pourquoi Parce que. Nous monterons comme lui les montées. La Bible dit que Jésus reviendra pour chercher son Église. La prophétie biblique confirme ces faits parce que cela arrivera réellement. Bientôt, Jésus reviendra. C'est une parenthèse tout simplement, mais Dieu fera grâce pour que je vous enseigne sur la prophétie biblique. Mais le signe du temps sont en train de se réaliser. Jésus reviendra et nous monterons pour être avec lui. Mais aujourd'hui, spirituellement, toi et moi, nous sommes assis à cet endroit-là. Là où se trouve Christ, c'est là où tu es. Donc, les sorciers, l'occultiste, pour t'avoir, il a beaucoup de démarches à faire. Il a beaucoup de démarches à faire. S'ils arrivent à vous avoir, c'est parce que vous-même, vous êtes ignorant de votre position. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné. La grâce se libère par la foi. La grâce est activée par la foi. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains. Nous avons accès à cette grâce par la foi. C'est-à-dire, si tu n'exerces pas ta foi, tu resteras dans cette position. Tu seras toujours victime. Tu vas toujours pleurer. On m'a étranglé. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Ah, je ne dors pas bien. Non, mais bien aimé, lui, il dort bien. Et toi, tu ne dors pas bien. Lui, le sorcier, il dort bien. Mais toi, un enfant de Dieu, dont il est dit que tu es assis dans le lieu céleste, au-dessus de lui. La Bible dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Commence à te voir à la droite du Dieu le Père. C'est alors. La Bible dit Dieu fera de tes ennemis ton marche-pied. My God. Ça signifie quoi Ça signifie me voir à la droite du Dieu le Père. Je m'en fous de ceux-là qui sont en train de me combattre. Je m'en fous de ceux-là qui combattent ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les amènera à tes pieds. Parce que la Bible dit, si l'éternel approuve la voie des noms, il dispose même à sa faveur ses ennemis. Il les ramènera comme ton marche-pied. Tu marcheras debout sur eux. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible avec toi. Je ne sais pas si je lis la même Bible avec toi. Parce que cette Bible me dit que je suis assis dans le lieu. La Bible ne dit pas que je serai assis. La Bible dit que je suis. Donc c'est un acquis. C'est quelque chose qui s'est réalisé par Jésus depuis le jour où toi tu as crié en lui. Allez avec moi dans Colossiens, chapitre 3. Le verset premier. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Paul s'adresse aux chrétiens, vous et moi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quand étions-nous ressuscité Quand j'écris en lui, je suis mort et ressuscité avec lui. Regardez. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut. Paul confirme que Christ est assis à la droite de Dieu. Comme nous spirituellement, nous sommes aussi assis là-bas. Donc nous devons rechercher ces choses-là d'en haut. En d'autres termes, pensez. Ayez la mentalité de quelqu'un qui est assis à la droite du Dieu le Père. Attache-toi, regardez le verset 2, attachez-vous à aux réalités d'en haut. Quelle est la réalité d'en haut Je suis assis à la droite du Dieu le Père avec Jésus. Je dois me voir spirituellement dans cette position. Comment tu te vois Mais puisque toi, tu regardes à ta vie, à tes faiblesses. Bien aimé, est-ce que Dieu ne sait pas que tu es faible? Même David l'a dit. Il sait que nous sommes des hommes. Ce n'est pas que parce que tu as reçu Jésus, tu ne peux pas faire des erreurs. Ça nous arrive. La Bible dit nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais si nous péchons, nous avons un défenseur à la droite du Dieu le Père qui intercède pour nous. Nous allons tout simplement nous répentir. Mais malgré ça, nous sommes assis à la droite du Dieu le Père. Souvenez-vous des disciples. Quand ils chassèrent les démons, ils sont rentrés auprès de leur maître. Lui raconta leur expérience. Maître, les démons nous sont soumis. Quelle était la réponse de Jésus Parce que vous êtes parfaits, parce que vous ne péchez pas. Non, je peux te surprendre. Ils étaient encore même chassés les démons. Les apôtres n'avaient pas encore compris. Ils étaient encore des disciples. Ils avaient encore beaucoup à apprendre sur Jésus. Ils avaient encore beaucoup à apprendre. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit dans la plénitude. Non. Le Saint-Esprit est descendu dans la plénitude le jour de Pentecôte. Mais ils avaient reçu tout simplement les mandats par Jésus d'aller opérer, d'aller prêcher, de prier pour les malades, de ressusciter les morts. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie au ciel. Parce que c'est la position, <coughs> excusez-moi, c'est la position spirituelle qui vous donne la capacité de chasser les démons. En d'autres termes, plus que spirituellement. Vous êtes dans une position élevée par rapport aux démons. Quand vous donnez les ordres, ils obéissent. Amen. Quand un général donne des ordres, un colonel obéit, c'est clair. Tu es dans une position de supériorité. Nous opérons avec un esprit supérieur. Nous sommes assis dans les lieux célestes. La position du diable et de son royaume est inférieure à la nôtre. Parce que la Bible dit que nous sommes assis à la droite du Dieu le Père, là où est assis Jésus. Regardez Colossiens. La Bible dit, le verset 3, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée. J'aime ce verset. Ma vie à moi, Nicolas. Ta vie à toi qui me suis aujourd'hui à travers le monde, en Christ. Et caché avec qui, avec Jésus ou en Dieu. C'est comme ces vers. C'est Christ, c'est Dieu. Moi, toi et moi, nous sommes cachés là. Maintenant, dites-moi si toi et moi nous sommes cachés en Dieu avec Jésus. En d'autres termes, dans ce vers là, je ne suis pas seul, tu n'es pas seul. C'est-à-dire, Jésus est avec moi. Dites-moi, comment un sorcier peut te bouffer Comment J'entends des gens dire que non, ce sorcier-là a, 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 a bouffé, a tué un pasteur, a tué. Mais comment déjà il peut aller te prendre là où tu es caché La Bible dit celui qui renverse le mur est mordu par le serpent. C'est parce que tout simplement, toi, tu t'es jamais vu dans ça. Tu t'es jamais vu caché en Christ et Jésus. Tu te vois seul. Tu veux combattre les diables avec ta force. C'est pour cela que tu passes ton temps à étudier. Tu passes ton temps à chercher à connaître tel démon, tel sorcier, tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous sert, toutes ces choses, si nous ne savons même pas qui nous sommes et quelle est notre position spirituelle Qu'est-ce que cela va me ramener à moi Si ce n'est de créer à moi. La peur or la peur est l'ennemi de la foi. Quand tu as peur, job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Regarde ta vie, toutes les choses que tu crains t'arrivent parce que la crainte est une porte qui donne l'accès au diable. C'est que le diable cherche c'est de vous placer dans une position de crainte, de peur. Or la peur c'est quoi c'est un sentiment de sécurité. C'est comme si tu n'es pas dans la sécurité. Mais Colossiens dit, comme je suis ressuscité avec Christ, je dois penser aux choses d'en haut où moi je suis assis avec Christ en Dieu caché. Qui viendra, me chercher Qui viendra là où Jésus est assis? Là où je suis assis avec lui? Comment le diable peut venir? À moins que moi-même je puisse ouvrir la porte, à moins, à moins que moi-même, toi-même, tu puisses donner l'accès. C'est pour cela que le diable continue à oppresser la vie de beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ignorants de leur position spirituelle, ignorants de ce qu'ils sont en Christ Jésus, donnent accès à l'ennemi. Mais la Bible est claire sur ce point. La Bible est claire sur ce point. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voyez-vous, Jésus est la pierre angulaire. Est-ce que les apôtres ont enseigné ces choses L'enseignement des apôtres est là. Nous venons de lire, la Bible dit que tu es assis. Je suis assis à la droite du Dieu le Père. Ma vie est cachée avec Jésus en Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Un Dieu, comme je l'ai expliqué dans ce vers, à l'intérieur avec Jésus, nous sommes là. Qui viendra te toucher Qui viendra te toucher Parce que pour te toucher, il doit d'abord détruire la protection divine sur toi. Et s'il entre là-bas, il rencontrera le lion de la tribu de Jina. Jésus, à la droite, Dieu le Père, montrera le preuve qu'il a payé le prix pour toi, qu'il a payé le prix pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. C'est là qui marche par l'Esprit. Qui condamnera celui que Dieu a justifié Personne. Qui t'accusera Personne. La Bible est claire là-dessus. Ta position spirituelle te dit que tu es au-dessus des dominations. Maintenant, une domination, c'est une catégorie spirituelle des esprits. Un sorcier n'est pas une domination. Un sorcier n'est même pas une autorité. Un sorcier n'est même pas une autorité. Même quand Paul dit, Paul dit ceci, Paul dit, vous n'avez pas à combattre contre les dominations. Est-ce que Paul a cité le nom d'un sorcier là-bas <coughs> Parce que la catégorie des sorciers est inférieure même. Mais ce sont des sorciers qui règnent aujourd'hui dans les églises. Les églises aujourd'hui sont, 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 les, 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 sont secrets des pagailles dans les églises. C'est comme si Jésus n'était pas mort et ressuscité. Ça c'est quelle église? C'est quel enseignement que nous apportons? Où est la victoire dont il est dit dans la Bible, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est votre foi. Celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Il est temps maintenant que les sorciers commencent à avoir peur des chrétiens. Nous les aimons. Je vous aime parce que je veux que vous puissiez vous convertir et donner votre vie à Jésus. Parce que votre pouvoir est inférieur à notre pouvoir. Regardez au temps de la Bible. Ce sont des magiciens qui allait auprès des apôtres pour leur dire que je veux ce que tu as. Les magiciens allaient auprès des apôtres. Paul prêche la parole de Dieu et un magicien est en train de distraire les gens. Pour les empêcher, Paul frappe d'aveuglement. My God. Vous savez, il est temps maintenant qu'on commence à démontrer la puissance de Dieu. Paul dit que tu ne verras pas le soleil. Il est devenu aveugle au même instant. Parce que Paul était supérieur à ces magiciens. L'autre est parti trouver Pierre. Il voit, il a fait des miracles, il a étonné les gens dans les actes des apôtres. Mais quand Pierre arrive, la démonstration de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il est allé trouver Pierre pour lui dire, je veux le pouvoir, la puissance que tu as. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive C'est le contraire que nous voyons dans le corps de Christ. Mais comment expliquer-toi un pasteur Cela n'était pas préparé, mais, mais cela me vient. Comment expliquer-toi un, tu dis serviteur de Dieu tu vas aller chez le féticheur Tu vas aller chez les occultistes Prendre des fétiches pour remplir ton église Prendre des fétiches pour prophétiser Prendre des fétiches pour faire des miracles Tu n'as pas rencontré Jésus Et tu ne connais pas ta position spirituelle Parce que le sorcier, le féticheur Où tu vas chercher les grilles Spirituellement il est inférieur à toi Comment, comment, comment je peux aller auprès des fétichers, prendre le fétiche et venir avec cela à l'église de Jésus, du Dieu vivant. Souvenez-vous en Égypte, Moïse a opéré le miracle. Les magiciens des Pharaons ont opéré le même miracle. Il a jeté les bâtons. Ils ont jeté leurs bâtons. Mais le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens des Pharaons. Il est tant bien aimé dans le Seigneur que le serpent des enfants de Dieu puisse avaler le serpent des féticheurs, des magiciens. Non. Le serpent de Moïse a avalé. Moïse a opéré d'autres miracles. Ils ont copié, mais jusqu'à un certain moment, ils s'étaient arrêtés. Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. L'État arrive où les sorciers de ta famille doivent reconnaître que c'est le doigt de Dieu qui est avec toi. Le temps est arrivé que les occultistes, les féticheurs, doivent reconnaître dans l'église que Jésus est à l'œuvre, Jésus est réel. Mais tout cela se passe si nous nous prenons conscience de notre position spirituelle. Dites-moi, comment tu peux aller chercher un fétiche le maraboutage pour opérer dans le ministère. Le Saint-Esprit est l'Esprit supérieur qui est au-dessus de tous les esprits. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Spirituellement, tu es assis dans le lieu céleste, au-dessus des sorciers, des occultistes, des principautés, des pouvoirs des ténèbres. Mais comment tu peux encore aller auprès de ces gens-là pour chercher le fétiche et commencer à opérer dans le ministère au nom puissant de Jésus, répands-toi et cherche la vraie puissance en Dieu. Retrouve ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Arrête de pleurer comme un enfant de Dieu. Comme un enfant, arrête de te lamenter. Il a payé le prix. Tu es ressuscité avec lui. La Bible dit, c'est à toi d'avoir la mentalité de quelqu'un qui est assis à la droite du Dieu le Père. La Bible dit, attache-toi à ces choses. De quelles choses? Mais des choses d'en haut. Mais comment découvrir les choses d'en haut? C'est dans la Bible. La Bible est le livre et la fenêtre du ciel. Comment savons-nous les choses que Dieu a opérées? C'est dans la Bible. Comment comprenons-nous notre position? C'est dans la Bible. C'est de comprendre ce que la Bible dit par rapport à ta position spirituelle. Tu es assis là où est assis Christ. Tu opères dans une position de supériorité par rapport au diable, par rapport à son royaume. Je vous donne les pouvoirs, je vous délègue l'autorité de marcher sur le serpent, l'escorpion, toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nourrir. Pourquoi Pourquoi avons-nous les pouvoirs Pourquoi avons-nous la capacité de marcher sur toute puissance de l'ennemi Parce que tout simplement, non, non sont écrits au ciel. Parce que spirituellement, nous sommes là. Le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Tu es assis à la droite du Dieu le Père. Cher, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces enseignements sont là pour nous restaurer dans notre identité. De comprendre qui nous sommes réellement et notre position spirituelle. Aujourd'hui, l'église de Jésus est devenue faible parce que le diable est en train d'empêcher les enfants de Dieu d'accéder à la connaissance de qui ils sont en Christ Jésus. Nous passons les temps à étudier les diables, à étudier les démons, à étudier toutes ces choses. J'ai toujours dit, je ne suis pas contre qu'on enseigne sur le diable et les démons, parce que Jésus en a parlé. Les apôtres ont parlé de ça. Mais je vous ai dit, nulle part dans la Bible, vous trouverez tout un livre où on ne parle que des diables et des démons. Nulle part dans la Bible. C'est là qui connaissent notre ministère, ils savent très bien que Dieu nous a fait grâce dans ce domaine-là. Nous en parlons. Et nous arrivons à prier pour les gens, à aider beaucoup de gens. Mais je crois que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de vous aider à retrouver votre position spirituelle, de connaître qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes et vous savez votre position spirituelle, aucun démon ne tiendra devant vous. Aucun démon ne tiendra devant vous. Aucun sorcier. Toi tu deviendras danger. De... J'aime la chanson d'un bien-aimé cool Matopé. Comme on est comme il est danger des morts. Comme comme il est. Donc mon nom est devenu danger des morts dans ma famille, dans les cas des sorciers, dans les cas des occultistes, danger des morts. Quand tu viens, les sorciers fuient. La peur doit changer de camp. Ce n'est plus aux chrétiens, ce n'est plus à toi d'avoir peur des sorciers, des occultistes, mais c'est à eux d'avoir peur de nous. Parce que nous sommes supérieurs à eux. Nous sommes assis dans le lieu céleste au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs, des ténèbres, là où est assis Christ. Ayez en vous la mentalité de votre position spirituelle. Pensez comme des hommes. Et des femmes qui sont assises à la droite du Dieu le Père. Voyez-vous comme ça. La Bible dit Attachez-vous à ça parce que votre vie est cachée. Souvenez-vous des vers. Je suis là avec Jésus. Qui peut me toucher Qui viendra me bouffer Oh non, on a bouffé un pasteur. Attends. Des fois, il y a des choses qu'il faut. Vous, vous, vous dites des choses, vous ne réalisez pas. Combien vous élevez les diables? Combien vous valorisez les sorciers? Combien vous, vous valorisez les sorciers et vous minimisez l'œuvre de la croix? Quelqu'un que Jésus a sauvé sur la croix, quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie, si un sorcier les bouffe parce qu'il ne sait pas qui il est, tu es assis dans le lieu céleste au-dessus des dominations, principautés, pouvoirs des ténèbres. La peur doit changer des camps à partir de ce soir. C'est à eux d'avoir peur de toi. Dieu a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'avoir peur d'eux. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de revenir vers toi. C'est à eux d'avoir peur de toi. Parce que ta position spirituelle est élevée par rapport à leur position. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message d'aujourd'hui. Vous m'excuserez, vous avez vu que ma voix n'était pas vraiment en forme parce que je sors de la croisade où je viens de prêcher, mais je tenais vraiment à partager cette vérité qui était dans mon cœur sur notre position spirituelle. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message et nous allons Prier ensemble. Regarde ta vie. La peur doit changer de camp maintenant. Tu vois, si tu réalises qui tu es maintenant, cette peur va fuir. La peur, c'est une, une porte. Job a dit c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu as peur, tu y attires toi-même l'ennemi pour t'envoûter, t'oppresser, te faire du mal. Mais à partir d'aujourd'hui, la peur doit changer de camp. Commence à remercier. Jésus, qui t'a sauvé, qui t'a fait asseoir dans le lieu céleste, commence à remercier le Seigneur. Oh Dieu, merci. Je te remercie encore ce soir parce que tu viens encore de me révéler dans ta parole, dans cette position où je suis assis. À ta droite. Seigneur, je te remercie parce que dans cette position, je suis au-dessus des principautés, pouvoirs, des ténèbres. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance myriades ne pour aménuer. La Bible me dit, Seigneur, de chercher les choses d'en haut. Oh Dieu, Père, aide mon frère, aide ma sœur Yahweh. Au nom puissant de Jésus, laisse que toute oppression qui est en train de combattre mon frère, ma sœur, puisse les quitter. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Toute mémise de l'ennemi dans la vie de mon frère soit complètement arrêtée. Dans la vie de ma soeur, soit complètement arrêtée. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup pour votre patience, vous qui êtes maintenant. Abonnez à, à à cette émission euh, euh, Victoire totale. Abonnez à EPV TV. Je remercie le Seigneur pour le pasteur Constant et toute l'équipe de EPV TV pour Mamadan Nadine et pour tous ceux qui sont en train de faire pour ce travail, pour nous permettre de vous apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse et nous devons prier beaucoup pour cette chaîne, pour que le Seigneur puisse encore le bénir, le combler encore des stratégies, parce que vraiment, c'est une télévision qui est en train de bénir beaucoup de chrétiens. Et je rappelle, demain, 9h30. Le diable a un problème avec les chrétiens. Les démons, regardez bien le thème la délivrance des fils et des filles d'Abraham. Nous sommes en train de déloger les diables. Il n'a plus le droit de rester dans ta vie. Tous ces démons-là n'ont plus le droit. Si tu as un enfant de Dieu en Christ nous sommes fils d'Abraham, et la délivrance est notre droit. Viens demain. Aujourd'hui, c'était magnifique. Dieu a fait des grandes choses. Demain, nous clôturons. La Bible dit Vomiez la fin d'une chose qui est son commencement. Nous sommes au 102, rue de la Convention à la Courneuve. C'est facile pour y arriver de la gare du Nord. Vous descendez RRB vers mit, euh, Mitry aéroport. Vous descendez à la Courneuve. Vous prenez le bus 249 direction Dini. Vous descendez au centre administratif. La rue de la Convention, c'est la rue où il y a les trams. C'est à côté. Vous venez en voiture à 86, sortie Saint-Denis-Courneuve. Si vous prenez les trams 1, vous descendez à l'hôtel de ville de la Courneuve et vous allez voir des gens. Vous pouvez appeler. Il y a des coordonnées. Vous pouvez nous appeler. Bien aimé, 9h30 jusqu'à midi. Venez attendre à temps parce qu'à 10h30, je commence le message. Je vais avoir le temps d'enseigner. Et de prier pour vous. Nous délogeons l'ennemi là où il n'a pas le droit d'être dans ta vie. Tu as été sauvé par Jésus. Il a payé un grand prix pour toi. Tu as droit à la délivrance. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À nous revoir demain pour ceux-là qui viendront à la croisade. Et je salue tous les amis à travers le monde. Nous nous reverrons le samedi prochain, même heure, 21h30. Vous nous excuserez pour le retard, peut-être de réalité technique, mais nous serons là pour vous apporter la parole de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Demain, n'oubliez pas, allez à l'église. Soyez bénis au nom de Jésus.